l'élégance des bateaux dessinés et construits dans la première moitié du XXe siècle. On les appelle les bateaux classiques, les voiliers de tradition. Et en les voyant naviguer ainsi au fil de l'eau, vous vous dites, quelle jolie parade! Une sortie entre amis pour prendre l'air de la mer? Absolument pas, nous sommes là pour régater. À bord de ces bateaux-là, il y a quand même des marins de renom qui sont là. Et on est tous, on n'a qu'une seule envie, c'est de gagner. Ils sont prêts, ils trépignent. Des équipages affairés, pressés de prendre le départ. L'hiver a été long. C'est une des premières régates de la saison, donc tout le monde... Il y a une mise en route pour reprendre ses marques. Il y a eu des modifications dans l'hiver, des petits changements, des améliorations. Donc tout ça, c'est... Voilà, ça doit être, validé. Et c'est ça qui est important sur cette régate-là, c'est de valider les petits changements qui ont été faits et de performer comme d'habitude. Des bateaux anciens, en bois, des bateaux fragiles mais qui restent des bateaux de course. Ils en ont connu des régates, celles-ci les emmènent le long du littoral provençal et de ses calanques jusqu'à dimanche soir.